song is actually, I'm a huge Billie Holiday fan, and it's very hard to introduce Billie Holiday to a really jolly Greek, but I picked an amazing blues song that I think you'll enjoy really well. Ben Blows This Way. This is Ben's song. So here we go. This is the great Billie Holiday, Fine and Mellow. Celle-là, on va voir.
le tirage au sort d'un super bolo ce soir pour clôturer cette magnifique soirée. Et je vais appeler sur scène mon ami Laurent Mingueli. Merci Laurent d'être une nouvelle fois sponsor et soutien de notre association et de notre club. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, nous? Oh, ça fait 11 ans. 11 ans déjà. 11 ans déjà. Tu étais petit quand tu arrives ici et à peu près, je me rappelle, oui. Tu étais venu me voir, on s'était rencontrés. Et depuis, tu as bien grandi. Oui. Bravo en tous les cas pour tout ce que tu as fait. C'est... Qu'est-ce qui fait que tu soutiens notre club depuis aussi longtemps? Qu'est-ce que tu trouves chez nous? Qu'est-ce que tu aimes chez nous? Ça nous intéresse de savoir ça. Oh là. Là, ça doit venir du fond du cœur. C'est mieux. Bonjour Phuket, c'est une association que j'ai vue grandir depuis le début, depuis le départ. Et je suis impressionné puisque moi-même je suis un entrepreneur et de voir les choses se bâtir et se construire, se fédérer dans un esprit de partage et dans un esprit de convivialité, de simplicité, de voir Madame Machida Lilith danser, qui m'a dit tout à l'heure que je n'ai pas dansé depuis des années, ça me fait chaud au cœur. Et comme vous le savez, j'ai fondé une école française, je vois mes enfants et je vois aussi, quand je vois tout, vous tous, je vois un petit peu l'enfant que vous aviez été et les enfants qui deviennent adultes. Donc c'est une belle histoire et je la vis profondément, donc c'est pour ça que j'ai envie de soutenir et de continuer, de faire plus. J'ai toujours un peu l'impression de ne pas jamais faire assez, mais j'ai envie de continuer. Je suis à mi-parcours, j'ai 45 ans et j'espère faire plus tard. Voilà, il reste une trentaine d'années, peut-être. Merci beaucoup Laurent. En tous les cas, on est très fiers de t'avoir comme partenaire privilégié. Et ce soir, qu'est-ce que tu vas offrir ou qu'est-ce que la BCAS va offrir ce soir à une personne qui est ici dans cette salle? Alors ce soir, c'est une petite tradition. Hein, donc ce soir, ensemble avec toute l'équipe de BCIS qui travaille beaucoup, et bien, nous allons offrir un joli scooter. En rouge et noir, ça rappelle des chansons, c'est certain, mais en rouge et noir, un jeu de scooter. Voilà, il faut toujours conduire avec prudence et avec assurance. Et avec assurance, un casque. C'est voilà. Cool. Ok. Ok, donc nous allons procéder au tirage au sort. Vous êtes prêts? C'est sûr? Vous êtes un peu, vous êtes un peu éteint ce soir. Hein. Alors pour faire ce tirage au sort, j'ai besoin d'une main innocente. Alors, non, pas toi. Est-ce qu'il y a une main innocente dans la salle? Ah, c'est pas facile. C'est pas facile, là. Hein. C'est pas facile, cette main innocente. Non. Ah! Chelsea! Ouais, on peut l'applaudir, Chelsea. Bonjour, Chelsea, ça va? Prends le micro. Quel âge as-tu, Chelsea? Celle-ci, j'ai besoin de ton aide, d'accord? Mais avant, on m'a dit que tu faisais plein de choses déjà et que tu avais déjà un site sur YouTube qui s'appelle Tropical Story. Voilà. Vous pouvez suivre celle-ci sur Tropical Story. Et qu'est-ce que tu fais? Tu mets des posts en permanence? Tu mets des choses sur ta vie, sur ce que tu fais, sur quoi? Qu'est-ce que tu postes comme événement? Plein de choses. Des vidéos. Des histoires. Des vidéos. Des visios. C'est bien, on peut l'applaudir, hein, c'est magnifique. Hein. Alors celle-ci, j'ai besoin de ton aide. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Tu vois, regarde. Ici, tu vois, dans cette boîte-là, il y a plein de numéros d'adhérents. D'accord? Alors, tout à l'heure, je vais prendre quelques tickets et je vais les lancer en l'air, comme ça. D'accord? Et toi, ce que tu vas faire, tu vas en attraper un. Ok? Et tu vas me le donner. Et celui qui sera, dont le numéro sera sur le ticket, gagnera peut-être cette photo. À la condition qu'il soit dans la salle. Je vous rappelle que seules les personnes qui sont dans la salle peuvent gagner la moto ce soir. On est d'accord? Hein, c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Voilà. Ok? Mais comme je ne connais pas les numéros de tous les adhérents, on va demander à Martine, notre secrétaire, de venir sur scène avec moi, puisque elle va savoir me dire, en fonction du numéro, qui est
le rôle de d'un autre couple de femmes. Tu es prêt? Tu as compris, Fancy? Donc je lance en l'air, et toi tu en prends un, et tu me le donnes. Ça marche? Attends, attends, c'est moi qui toi tu l'attrapes. Elle est très impatiente. Hein. Ok? T'es prête? Allez, scoop bien, scoop bien. Scoop bien. Plus. T'es prête? Je prends une poignée. Voilà. Une poignée comme ça. T'es prête? Tu vas l'attraper. Hein. Vous êtes prêts? Vous avez vos numéros d'adhérents tous en tête? Oui. Quel menteur. Allez, Chelsea. 1, 2, 3. Celui-ci, merci ma belle. Oh, ça c'est un vieil adhérent, ça. Un adhérent depuis longtemps, vu le numéro. Tu peux donner le premier chiffre? 9. Le premier chiffre est un 9. Et le deuxième chiffre, ma chérie? Le numéro 98. Qui se rappelle avoir le numéro 98? Je crois que c'est moi! C'est moi! Le numéro 98. Non. C'est moi! Non. Alors lui, ça fait des années qu'il court après la moto. Monsieur Bruno, arrêtez, s'il vous plaît. Bruno, s'il te plaît! Bruno revient! Bruno! Oui, je sais, mais tu reviens encore l'année prochaine. Alors nous, le numéro 98 n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On recommence. Merci pour votre aide. Chelsea, tu es OK? Deuxième fois, tout à l'heure. Allez. Tiens, secoue un peu. Voilà. Je prends quelques... 1, 2, 3. Ça, c'est un adhérent moyennement ancien. Moyennement ancien. Quel est le numéro, ma chérie? 3, 2, 7. Numéro 327. Ouais. 327. Il est là. Ah, 327, il est là. Il est là. Il ou elle? Il est dans la salle. Il est dans la salle. Il est dans une des tables du bout, là-bas. Non, ne rêve pas. Eh bien oui, c'est lui, il connaît son numéro par cœur ces années, on peut l'applaudir. Jaloux Fraternes, vainqueur de la moto ce soir. On peut l'applaudir les enfants. Et bien, notre ami. Attends, il est très sport. Merci en tous les cas, Jaloux, bravo, merci. Voilà, la soirée maintenant, parce que voilà, on va beaucoup. Merci mon Laurent, merci beaucoup. Allez, maintenant la musique pour finir cette soirée. J'aimerais remercier tout simplement celles et ceux qui, grâce à leur don, nous ont permis d'organiser cette belle soirée pour vous ce soir. Avec notre ami de la BCS, bien sûr, Laurent, qu'on peut applaudir une dernière fois. Car la musique derrière. Voilà, THC Expat qui vous a offert Régis, pour aller Régis, il est là. Vous a offert une partie du cocktail, l'épicerie Luciane qui vous a offert le fromage ce soir, Gros Poule avec notre ami Bruno qui a participé à l'organisation de cette soirée, Medical Angels avec notre ami Koema avec Arawan, Siam Fungai avec notre ami Bruno ici présent, le Bangkok Hospital avec notre ami Pech, le Pullman Arcadia avec notre ami Luc qui est caché quelque part. Et ainsi que tous ceux qui ont donné des vouchers ce soir pour les gens qui étaient les gens du bureau et les gens des responsables de pôle qui ont été là ce soir. Merci à tous, j'espère vous avez passé une bonne soirée. En tous les cas, nous on a passé vraiment une excellente soirée avec vous. Et on vous dit, Charles, tu es prêt, on vous dit à l'année prochaine. Bonsoir à tous.